Bonjour, bon dimanche à tout le monde. Je me connecte parce que je viens de parler avec quelqu'un et j'ai été à cette même espace pour parler des obstacles que tu vois sur ton chemin, les gros obstacles. Parfois, c'est un gros bloc et tu te dis, je ne peux pas avancer dans ma vie. Et chacun a des obstacles d'un imaginaire différent. Moi, par exemple, je me dis, tiens, si j'ai ce problème-là, je peux enseigner rien à personne. Hein. Non, je suis pas encore là. Je suis pas encore assez développée. J'ai pas encore fait assez de. Enfin, et alors, tu as toutes les excuses qui viennent, ou les excuses, ou les raisons. À ce moment-là, pour toi, ce sont des raisons. Après, tu vois que c'est presque des excuses, où tu es dans une sorte de zone de confort, tu es dans un endroit où tu es en sécurité, allons le dire comme ça, oui. Et tu as ce gros bloc. Moi, je le voyais, ce gros bloc. Et il était clair. Moi, je trouve que ça s'est trouvé que là, vraiment, j'avais un problème, un gros problème, que je voyais comme un gros problème. Et je me dis, tant que j'ai ça, qu'est-ce que tu veux que j'apprenne aux autres? Et je veux te donner ici un conseil en ce qui concerne les obstacles dans ta vie. Ouais. Comment est-ce que toi d'abord tu vois cet obstacle dans ta vie? Est-ce que tu vois un grand mur? Est-ce que tu vois un grand rocher? Est-ce que tu vois un grand trou? Comment est-ce que si tu devais me dire quel est l'obstacle pour ta vie, pour avancer dans ta vie? Et là, en fait, ça dépend, on s'en fout où tu es. Tu peux déjà être une femme super, avec beaucoup de succès déjà, vraiment quelqu'un qui a appris à étudier à fond, à se donner à fond, à être performante, excellente, brillante, et quand même te sentir bloquée. Ouais. Et donc, comment tu vois ce blocage? Et ce que je vais te dire, c'est c'est comment moi je me suis rendu compte. En fait, ce que j'ai fait, je me dis, OK, on s'en fout, Goudron, ce blocage, ça va te prendre des années pour l'enlever, des années. Mais en attendant, ça me frustre très fort que ne me permets pas d'avoir d'autres qualités dans ma vie, d'autres choses que je peux donner. OK, si maintenant, ces grands obstacles, c'est, imaginons, je suis trop grosse. Hein? Imagine, il y a des gens, on va dire ça. Évidemment, moi, comme j'étais anorexique avant, moi, ce genre de choses était vraiment un sujet. Je suis trop grosse. Ok, peut-être je ne sais pas apprendre aux gens qui veulent maigrir comment il faut maigrir parce que je réussis même pas moi-même. Mais j'ai plein d'autres choses que je réussis dans ma vie. Donc, si je suis maintenant, je ne sais pas moi, une chanteuse, mais que j'ai super bien chanté, bon, moi, je suis trop, trop, trop. Le mot trop, hein, tu devrais déjà l'enlever. Mais ton obstacle, c'est toujours trop, trop grosse. Je suis chanteuse. Je vais pouvoir apprendre ça à quelqu'un. Tu vois, ce n'est pas un obstacle pour tout dans ma vie. C'est un obstacle pour quelque chose, mais pas pour tout. Et souvent, l'obstacle que tu vois dans ta vie, tu mets ton chemin et le truc, tu le mets là, boum, où tu le, hein, je sais pas comment tu le mets, comment tu le visualises ou comment tu le sens. Il y a des gens qui ne voient pas, ils sentent, ils entendent. Ouais. Donc, si tu ne visualises rien, peut-être tu sens comme un mur, comme une énergie où tu ne peux pas aller de travers. Et alors, ça devient une obsession. Cette obsession, oui, mais j'ai ce problème. Ouais, où je suis ce problème. Je suis anorexique. Je suis timide. Et c'est là que tu peux faire un switch. Tu te dis, c'est un obstacle qui est là, sur un chemin. Mais c'est un truc que je ne sais pas faire. OK, je ne le fais pas. Boum, je le mets là. Il reste là, gentiment. Je m'en occupe quand j'ai le temps, quand c'est le moment dans ma vie. Mais pour le moment, ce gros obstacle, il est dans ma vie. Il m'accompagne et peut-être qu'il m'a pas prendre plein de choses. Merci, l'obstacle. Ouais. Parce que c'est ça, cet obstacle n'est pas là pour rien. Mais toi, tu ne le vois pas comme ça. Tu l'as mis ici, boum! Et tu te dis, je ne peux plus avancer dans mon chemin. Et avant de faire quoi que ce soit d'autre, je dois d'abord percer cet obstacle. C'est une grande erreur. Le moment de commencer, le moment de te lancer, le moment de faire quelque chose dans la vie, c'est maintenant. Tu prends ce gros obstacle qui n'est que dans ta tête et tu le mets là. Tu vas t'en occuper quand c'est le moment. Peut-être au fur et à mesure, même en parallèle. Et là, tu te donnes la permission
d'être quelqu'un de super valable, super riche, qui sait faire plein de choses de sa vie, sait entreprendre plein de choses de sa vie, de partager avec les gens. Et tu regardes la richesse qui est à côté de cet obstacle. Et avec cette richesse-là, tu avances. Et tu avances maintenant. Et tu avances avec tes petits pas. Et tu te les permets, petit pas après petit pas. Et ça, c'est ton truc pour entreprendre quelque chose dans ta vie. Et c'est ça que je voudrais te dire aujourd'hui. Et j'espère que la personne, je vais lui mettre tout de suite le lien, à qui m'a dit aujourd'hui, voilà, je n'y suis pas encore. C'est une personne qui a une richesse, je sais. Elle est vraiment, je la connais, je connais sa richesse, tu vois. Comme j'ai dit, j'ai un don pour voir le potentiel et la richesse chez les gens. C'est ça que je vois en fait. Quand je travaille avec les femmes, je ne vois pas les obstacles, je vois la possibilité. Et ça, c'est un don, ça. Je ne savais même pas que je l'avais, mais vraiment, je l'ai. Je l'ai chaque fois que je parle avec quelqu'un. Et donc, j'ai ouvert la porte. Je ne sais pas si tu as vu ça. Est-ce que je l'ai offert à cette page? Je ne sais pas ici. Un rendez-vous avec ton potentiel. Une séance comme ça, 30 minutes avec moi. Et pour ça, il faut rejoindre mon groupe porteuse de projet. Parce que pour moi, chaque femme est une porteuse d'un projet, puisqu'on entreprend. Et c'est ce que je demande. Se mettre dans mon groupe porteuse de projet, prendre ce rendez-vous, ça fait deux trucs que tu dois faire. Parce que mon temps est très, très, très précieux. Ce don, il est vraiment précieux. Et je veux que le donner aux personnes qui sont capables de faire cet effort-là. Se mettre dans le groupe ou veulent le faire. Hein. Si ça ne t'intéresse pas, non, évidemment. Hein. Se mettre dans le groupe et prendre ce rendez-vous, ça te demande de comprendre comment ça fonctionne, de faire une petite... Tu dois faire un effort pour avoir ce rendez-vous avec moi. Mais après ça, c'est avec grand plaisir. Donc, les obstacles, j'espère que ça t'aide, j'espère que ça te donne des idées, une autre vision des choses. Et je peux te dire que j'ai été bloquée dans mon obstacle. Des années, terribles. Ça m'a empêché de faire plein de choses dans ma vie. Je me suis dit, il y a 4 ans, je me dis maintenant, et ça c'est aussi, je vais te donner ce conseil aussi. Je pense qu'il y a 4 ans, je me dis, cette année-ci, en janvier, hein, résolution, cette année sera l'année où tu vas résoudre ce problème. Et j'ai donc fait quelque chose pour. Et en réalité, je n'ai pas résolu ce problème cette année-là, mais je me suis mis en route. Et ça, c'était bien. Et je me suis en route et puis quelque chose à l'intérieur de moi était en paix. J'ai dit, enfin, Gudrun est sérieuse, elle est sincère, elle veut comprendre qu'est-ce que c'est cet obstacle. Et à ce moment-là, mon inconscient m'a permis de n'en pas faire tout un fromage, comme on dit. M'a permis de dire, ok, elle va en prendre soin, elle va s'occuper et j'ai pu le mettre à côté. Voilà. Mon conseil, c'est ça, parce que je sais, toute femme, tout être humain a certainement des gros obstacles sur le chemin. Mais il y a un moyen de continuer sa route malgré les obstacles. Et ce conseil ici, chez moi, ça a fonctionné méga bien. Je ne suis pas parfaite. Je ne vais pas étaler ici tous mes obstacles qui m'appartiennent et que j'ai. Et je suis contente qu'ils sont là. Chaque petit obstacle m'apprend tellement sur moi-même, tellement sur ma famille, tellement sur mes ancêtres, tellement sur la nature humaine. Et je suis contente de les avoir, franchement. Mais ils ne vont pas m'empêcher de faire ce que je fais. Ils ne vont pas me barricader mon chemin. Non. Voilà, bon dimanche à vous toutes et gros bisous.